Salut à tous, c'est Brady. Alors, on se retrouve sur Tormund Tide of Numera. C'est un jeu de rôle qui est sorti en 2017. Je crois que vous pouvez le trouver sur PC, sur PS4 et Xbox One. Alors, c'est un jeu de rôle futuriste. Il n'est pas trop basé sur les combats. C'est plutôt beaucoup, beaucoup de lecture. Alors, si vous n'aimez pas la lecture, passez votre chemin tout de suite. Hein, il n'est pas pour vous. Voilà. Allez, on va démarrer. Alors, c'est un jeu qui avait été lancé avec Kickstarter. Hein. Je crois qu'ils avaient récolté 4 millions de dollars. Hein. C'est comme ça qu'ils ont pu le développer. C'est le petit frère à Torment Planetscape hein, qui était sorti en 1999 sur PC. Et donc, bah, c'est son petit frère. Donc, ils ont voulu faire une suite. Hein. Alors, c'est un jeu dans un univers vraiment spécifique, hein, c'est vraiment les histoires sont un peu compliqué. Franchement, il y a des choses. Après, chacun voit les choses à sa manière. En tout cas, on va le tester, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Your first emotion is an involuntary and formless panic. You feel you have forgotten something, something important. As if it once meant the world to you, you force your eyes open. The body is, wait, you are. Wearing a form-fitting suit of some dark material. You recall that you were wearing something much more elaborate a short time ago. You have smooth, light brown skin, five fingers on each hand. Without warning, the cocoon that surrounds you shreds and tears away. You are falling. Above you, you are spinning too rapidly to get a good look. You can see a large landmass. You spread your arms and legs, and they respond smoothly. A strange sense, now that you can focus on it. You see that the large mass is clearly a gargantuan megacontinent. Further north and east lies a broad plain. You're headed directly for a bright domed structure. It appears to have been he extends his right arm toward you, and a tang darkness. Donc là, on va arriver, on est en fait une réincarnation. On a eu plusieurs vies. Et là, bon, on se réincarne une fois de plus dans un corps. Sauf que là, bon, on est dans notre esprit. Hein, dans notre esprit. Et donc, il va falloir sortir de là. On va devoir se servir des points de puissance. Donc ça va être tout au long du jeu. Hein. On a des points comme ça à diriger pour réussir certaines actions. Donc là, on va essayer. Donc je zappe un petit peu hein, parce que c'est très long. Puis surtout cette partie-là, c'est pas celle que je préfère. Donc j'aimerais bien sortir le plus vite possible. Thank you.
Donc on va commencer à choisir. Donc on a trois catégories hein, de persos. Il y a les glaives, les jacks et les nanos. Les glaives sont des guerriers d'élite du 9e monde utilisant armes et armures pour combattre leurs ennemis. Les jacks sont des intrépides explorateurs et aventuriers, véritables touche-à-tout. Ils doivent leur nom aux fables contant l'histoire d'un héros. Ok. Et les nanos sont souvent appelés mages, magiciens ou sorciers par les habitants du 9e monde, quelle que soit leur domination. Les nanos maîtrisent les mystères du passé au point d'accomplir de véritables miracles grâce à leur pouvoir ésotérique. Ok, bah moi je vais rester glaive. Hein. Voilà. Alors, un peu. Ok. Intellect un peu hein. Hop. Et puis je vais augmenter puissance. Voilà, précision sans faille, compétence de défense, ouais, je prends précision sans faille. Hop. Succès des actions spécifiques. Bonus passif. Ok, alors, je peux en prendre qu'un. Ouais, je prends l'endurance. Allez, go. Donc c'est un jeu un peu intrigant, hein, franchement. Plus vous avancez dans le jeu, plus il paraît bizarre. Franchement, c'est franchement. Mais bon, ça lui fait quand même un côté un peu mystérieux qui est plutôt sympa. Donc on est pourchassé donc par l'affliction. Donc on est dans la chambre de résonance, hein, donc c'est ce que je vous ai expliqué. On va se trouver loin de votre corps, grimper simplement à l'intérieur et tout devra bien se passer. Ok, bon, on va essayer de sortir de là. Donc ça, c'est l'affliction, hein, c'est ce qui nous pourchasse. Donc on va devoir détruire là, ces tentacules. Hein.
C'est un peu space, hein, ce moment-là, là. Alors, est-ce que je vais y arriver? D'accord. On a un menu comme ça. C'est sur L2, je crois. Donc là, est-ce que je peux la toucher? Alors pareil. Hein. Là, on a réussi à la faire partir. Bien content de partir d'ici, hein. C'était un moment un peu space, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je sais que la suite du jeu est bien plus intéressante. Je pense même qu'on va y retourner à des moments dans cette partie là du jeu. Where did he fall from? His body smashed to talc. It's a wonder he's still breathing. All I saw was the corona, not his origin point. But look, he's healing already. Spontaneous regeneration. Donc il y a vraiment à côté pour l'imaginaire, hein, de toute façon, dans la lecture. C'est ça aussi qui fait la force du jeu.
Donc on est un reliquat. On est la création du dieu changeant. Ton géniteur s'est servi de ton corps pendant un temps, puis l'a abandonné pour des raisons que lui seul connaît. Lorsque son esprit l'a quitté pour rejoindre l'expérience nouvelle, c'est toi qui es né dans la coquille. Ok. Bon, ok. Ouais, un bug de son là. On zappe un peu de hein, toute façon. Voilà, vous venez d'obtenir vos premiers compagnons. Les compagnons suivront le dernier reliquat et peuvent être contrôlés pendant une crise. Vous pouvez leur parler de leur passé respectif et tirer parti de leurs talents et compétences uniques. Les compagnons ont tous leurs propres motivations et personnalités. Selon les choix que vous effectuez, il est possible qu'ils ne vous suivent pas éternellement. Alors, lors de votre périple à travers le nouveau monde, vous trouverez d'autres compagnons susceptibles de se joindre à vous. Voilà. Saisissez l'opportunité d'explorer les alentours, vous pourrez trouver des objets, de l'équipement, nanani, nanana. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va servir de la connaissance machinerie. À chaque fois, il va falloir dormir pour recharger. Ok, donc on a gagné 16 chines. Plus cher à examiner. Donc on a...
faut vraiment aimer la lecture. Franchement, là, c'est un jeu. Faut vraiment rien avoir à faire déjà. Et puis, c'est pour les longues soirées d'hiver. Après, c'est vraiment joli. Hein. Le monde, la ville, c'est vraiment joli. M'équiper maintenant. Bon, j'étais déjà équipé. C'est plutôt étonnant d'ailleurs. Ok. Allez, c'est parti. On est vraiment dans le jeu de rôle.
qui veut nous quitter en fait. Hein. Elle oui, non, je m'en rappelle plus. Bien garder les deux quand même. Ah, faut faire un choix. Je vais prendre, prendre Calisterge. Déçu d'avoir perdu un de mes persos, hein. Bon ça va que je vais pouvoir en recruter dans le jeu, mais bon c'est un peu chiant dès le départ, fallait faire un choix, bon bah je l'ai fait hein, sans trop savoir qui j'ai choisi honnêtement, hein, ni à quoi me servait vraiment, mais bon on va voir, de toute façon au pire je choisirai un personnage plus tard. Alors ce qui est un petit peu chiant aussi hein, c'est les chargements en changement de zone, hein, bon, c'est un peu chiant. Bon après on peut comprendre avec un, je crois que c'est un jeu qui a plus d'un million de nœuds dans le jeu, donc on peut comprendre qu'il y a du chargement, surtout là on va arriver dans la ville principale, hein, c'est la meilleure ville du jeu. Alors, il y en a une autre je crois, mais celle-là ça va être vraiment celle qui est la plus développée, où il y a le plus de choses à faire, donc ça va être plutôt intéressant. Like someone who believes in justice. How'd you like to help a poor soul wrongfully condemned? Quel est son plan? Du coup, il nous a donné une quête, hein. Faut aller voir le greffier. Du coup, on l'a recruté en même temps aussi, je crois. On l'a recruté. Thank you.
qui nous parle qu'on était un voleur hein, dans une ancienne réincarnation. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Le voleur, oui. Profondeur hein, sur ça. Hein, voilà. Comment pouvez-vous vous rappeler qui a emprunté l'île il y a 10 ans? Une quête. Voilà, hop. Ok, vous avez parlé de tabac. Il y a des machines comme ça hein, qui viennent des autres civilisations hein, qui ont précédé. Donc il y a des fois il y a des petites quêtes, des énigmes à trouver pour les déclencher. Donc là, ouais,
crois qu'il parle de moi. Une énigme avec ça. Thank you.
beaucoup de choses à comprendre, hein. C'est au début là, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Plus le monde est un peu compliqué, hein. Enfin, quand on n'a jamais joué, franchement, moi j'ai déjà joué une fois avant. J'avoue qu'au début j'étais complètement largué, hein, je comprenais rien du tout à l'histoire. Et puis après, bon bah en avançant un petit peu plus, j'ai un petit peu plus compris. Mais après, bon bah j'ai trouvé quand même l'histoire bien compliquée. Ah, on est vraiment dans le pur jeu de rôle. Hein. La ville est vraiment immense, hein, franchement. Ça rappelle vraiment Tormund Planetscape. On retrouve un peu les mêmes textures. Dommage que à chaque zone on est obligé de se taper un chargement. Mais sinon les graphismes sont jolis, hein. Moi j'aime bien ces univers un peu fantastiques. C'est vraiment joli. Vraiment des trucs bizarres dans le jeu là. Ça a l'air d'être des machines volantes. Donne presque le vertige. Donc bah vous avez vu, hein, les combats, c'est pas des gros combats comme dans les autres RPG, hein. C'est vraiment
plus de la littérature, les quêtes seraient beaucoup avec les dialogues. Hein, ça va pas être en tuant des gros boss ou des choses comme ça. Ça va être vraiment du dialogue. Va falloir vraiment bien parler pour régler certaines situations. Donc là-dessus, c'est pas un RPG pur et dur de combat. C'est vraiment du jeu de rôle. Un peu comme on joue un jeu de rôle sur papier. Moi je trouve que c'est un peu pareil. Bien que il y a encore des choses à améliorer. Ah puis ça, les temps de chargement, je trouve ça horrible. Franchement, en. Bon, c'est vrai que les décors sont vraiment jolis, hein, franchement, mais à chaque fois que vous rentrez dans un bâtiment, un temps de chargement, ça c'est relou. Ça c'est vraiment relou. Mais bon, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est vraiment joli, hein. Franchement, rien à dire. C'est vraiment bien fait. Voilà, je voulais vous faire un petit tour de la ville quand même, hein. Histoire que vous voyez un petit peu donc les graphismes et puis voir un peu qu'il y a il y a plein de choses à faire quand même, hein. Surtout dans cette ville-là, il y a un sous-sol, donc là on était à l'étage, hein. Et donc ben, il y a un centre-ville, hein, il y a des marchands, il y a beaucoup de quêtes. D'ailleurs, il y a même des quêtes un peu difficiles, hein. Franchement, j'en souviens de ma précédente. Dans ma précédente partie, j'avais galéré, je sais plus, je crois que c'était dans le sous-sol. J'avais une quête, vraiment, j'avais rien compris. J'avais quand même pas mal galéré avant de la réussir. On va continuer un petit peu le tour de tout ça. Un artefact d'une ancienne civilisation, je pense. Donc voilà les amis, bah ce test va s'arrêter là. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur le jeu? Bah, le jeu, il est plus... vous l'aimerez si vous aimez lire. Ça c'est sûr et certain. Il y a des tonnes de textes à lire, il y a des choses à comprendre et tout. Et si vous cherchez un jeu de rôle avec des combats et tout ça, c'est pas du tout le genre du jeu en fait. Le jeu se base plus sur la littérature. Alors, il y a des heures et des heures de lecture, hein, franchement, comme vous avez remarqué. Hein, je voulais justement vous faire voir un petit peu comment c'est d'ailleurs en jeu, parce que bah, y a pas vraiment de voix. Les personnages parlent pas vraiment. Hein, et puis en plus, il est pas enfin, les voix sont pas en français, donc ça, c'est un petit peu chiant. Moi, je pense qu'un jeu comme ça, il aurait dû y avoir donc un côté littérature, c'est sûr, mais aussi peut-être une traduction en français, ce qui aurait beaucoup plus charmé plein de joueurs que là, lire un peu, ça va. Bon, bah, après, lire pendant tout le temps, arriver à un moment, pour moi, c'est chiant. En tout cas, pour moi, c'est chiant. Après, le jeu est joli. Si vous avez aimé Planescape Torment, bah, vous allez forcément l'aimer aussi. Personnellement, moi, c'est pas mon genre de jeu de rôle. Donc, je vais pas le recommander.
Ça va être vraiment pour des joueurs bien spécifiques, hein. Ça va pas être une généralité dans les joueurs, ça c'est sûr et certain. Ça va être vraiment réservé soit à des fans de Planescape Torment, soit à des joueurs qui aiment vraiment le côté littérature. Mais alors moi, j'aime bien le côté littérature, hein. Mais alors quand il n'y a pas beaucoup de combats, enfin quand il n'y a pas vraiment une partie combat dans un jeu de rôle, je trouve ça dommage. Donc là-dessus, il y a du bon, il y a du pour, enfin il y a du bon, il y a du contre. De toute façon, en tout cas, moi perso, je le recommanderais pas. Alors ce jeu-là, vous pouvez le trouver facilement, hein, surtout dans les magasins, parce que les gens souvent ils l'essayent puis ils le revendent aussitôt, parce que justement il y a ce côté littérature qui est pesant. Et puis ça peut en refroidir certains. Donc sur ce, j'espère que ce petit test vous aura plu. En tout cas, ça vous a fait voir le jeu. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut !